Bonjour, je me présente Marie-Lyne Dabluto, je suis artiste peintre, enseignante, psychopédagogue. Et depuis peu, depuis 2 ans, 3 ans, je fais du dessin de sable. Pour moi, c'était une façon de me traduire, m'exprimer. Donc, c'était tous mes temps libres étaient occupés par le dessin. Comme j'ai fait beaucoup de foyers nourriciers de mon enfance jusqu'à à peu près l'âge de 8 ans, quand je suis arrivée à 8 ans dans ma dernière famille, elle a vraiment vu en moi le potentiel du dessin. Comme on dit, fait que j'avais des temps libres, puis elle m'achetait les meilleurs crayons du monde. Puis, donc, elle me stimulait beaucoup, beaucoup pour continuer à faire du dessin. Quand j'ai commencé à travailler avec le médium, le café, c'est quand j'étais au secondaire. Okay? C'est ça qui m'a fait un peu me démarquer, parce que moi, j'ai tenu la route avec ça. En été, l'idée a été lancée à tout le groupe de l'école. Le professeur qui m'enseignait au secondaire, il s'appelait Rod Gagné, lui, il nous a donné cette idée-là de travailler avec des piments naturels. Finalement, j'ai travaillé avec le médium, mais je l'ai travaillé de toutes les façons, okay? Pour voir qu'est-ce que ça faisait, où est-ce que ça se rend. Puis donc, en mélangeant certains médiums, donc plus ça s'enlignait dans ma vie, plus je m'enlignais vers le médium écologique. Finalement, c'était pour faire attention à l'environnement, puis c'était pour des raisons écologiques, puis finalement, c'était pour une philosophie. Je peux travailler quand mes enfants sont dans mon atelier. Puis donc, c'est pour respecter les animaux qui sont autour de moi, car j'en ai plein. Puis donc, c'était toute une petite histoire autour de ça qui fait que, dans le fond, le médium, le café, me faisait triper. Donc, j'ai continué avec ça, moi. Je me démarquais déjà un peu sans vouloir, puis sans prétention, dans le sens que c'est comme ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai continué en tant qu'artiste de toujours travailler dans mes affaires, d'être artiste international parce que mes toiles se vendaient un peu partout à travers le monde. Parce que, pas à cause de moi, mais à cause de la galerie qui avait des clients d'un peu partout. Puis finalement, j'ai fait mon deck en graphiste, puis j'étais dans l'art, mais bon, j'ai travaillé peut-être 3 mois là-dedans comme illustratrice. Mais finalement, ça ne me branchait pas tellement. Fait que c'était comme plus du fast-food d'image, c'était pas ce que je recherchais. Fait que finalement, comme j'aimais l'école, je suis retournée à l'école, j'ai fait un bac en enseignement en art, en art dramatique, en art plastique. Puis là, j'ai enseigné après tout de suite, j'ai été chanceuse. Après, j'ai décidé de faire ma maîtrise en psychopédagogie, puis là, j'ai fait 3 enfants en ligne. Là. Tout ça en même temps faisait bon, que j'étais chez nous quand même beaucoup. J'avais arrêté un peu d'enseigner parce que je trouvais que ça me prenait trop de temps. Je voulais continuer d'être artiste, donc je travaillais dans mon atelier, dans mes affaires. Puis je continuais quand même à travailler mon style, puis à développer mes... Fait donc, j'ai rentré en musée par la suite avec mes nus qui m'ont fait connaître à travers le monde. Là, après avoir fait les nus, mes nus ont toujours parti avec un fond couleur café aussi. Après, je commence mes nouveaux plutôt. Puis là, j'ai fait une genre édition limitée de Marilyn Monroe, qui sont beaucoup plus hors pop, puis qui ils vont à travers le monde. C'est incroyable comment ça l'a vraiment fait effet. Là. Puis par la suite, j'ai fait des tours Eiffel. Ça s'est rendu très, très loin aussi, à l'autre bout du monde, juste par Internet. Je suis contente d'être en galerie. La seule chose, c'est que de plus en plus, les gens viennent chez moi. Et surtout depuis que je fais du dessin de sable aussi, le corpo, les gens me connaissent de plus en plus. Donc, les gens, puis je suis sur le web, sur toutes les plateformes qui existent. Donc, les gens sont plus, ils viennent directement me rejoindre à ce moment-là ou me contactent, peu importe, de telle manière. Du café, en réalité, c'est juste de prendre un médium qui est naturel. Moi, je le dissous dans l'eau, OK? Puis, écoute, c'est une ancienne technique, ça existait dans le temps parce qu'il n'y avait pas de couleur puis de pigment autant qu'aujourd'hui sur les tablettes au mat dessert. Là. Le café, on le prend, puis ça peut être, on peut prendre le grain. Il y en a qui le prennent de différentes façons. Ils le prennent avec le grain brut, il y en a qui prennent la dissolution, il y en a qui prennent le liquide fondu, autrement dit, ça donne comme une pâte. Vous allez la voir tout à l'heure, de toute façon. Bien, c'est cette pâte-là, moi, je travaille. Okay. Moi, je ne travaille pas nécessairement le grain, ça travaille d'autres textures, mais je l'ai déjà fait, mais j'ai comme préféré ce petit côté-là. Le pigment de café, après, moi, j'utilise à bon escient, okay, dans mes connaissances puis dans mes expérimentations.
Mais là, c'est des petites façons de faire, des applications, la rapidité, la douceur que j'y mets. Il y a des temps de séchage. Donc là, c'est l'apprentissage de mes 30 ans passés là, qui fait qu'aujourd'hui, ce que je peux refaire avec plus d'expertise, je le réussis plus précisément, mais ça a pris du temps. T'sais, des fois, c'était comme par essai-erreur, puis ça, c'est tout le monde qui font ça, là. Alors, on se trouve présentement dans mon atelier à Lac-Beauport, dans l'antre de mon foyer, mais de mon atelier là, dans mon petit bureau, autrement dit. Et tout là, ben, c'est là que se porte ma création. Ce que ça apporte d'être dans un milieu de création comme ça, je pense que ça amplifie la création, ça amplifie l'inspiration. Ça fait aussi que mes enfants sont tout près de moi, tout en étant à l'autre côté de la fenêtre. Qui jouent dehors, je les vois comme dans un grand aquarium. Donc, c'est à la portée de mes animaux aussi. On laisse la porte ouverte, ils rentrent, ils sortent. Donc, c'est à la portée de ma vie aussi, de tous les jours, parce que c'est dans ma maison. Je vends assez de tableaux, puis je vends assez d'œuvres de sable pour vivre de mon propre art. Ça va faire plusieurs années. Là. Puis on a fait un choix, mon mari aussi, d'être travailleur autonome, d'être travailleur indépendant, d'être à la maison. Donc c'est un choix conscient qu'il y a des années. C'est l'année qui fait l'année et non le mois où il y a des temps où est-ce que c'est plus relax. Bien, on fait autre chose, comme l'été. Par contre, dans l'été, c'est fort l'étoile, puis c'est plus relax le dessin de sable pour les corporations, les entreprises. J'alterne une journée type, deux journées type, genre, pour essayer de faire une variante, pour ne pas me blaser. Donc, j'essaie d'être très libre aussi quand j'ai un téléphone inattendu qui fait « Oh, wow, OK, c'est correct ». Mais finalement, je suis très disciplinée. Donc, le matin, les enfants vont à l'école, je fais mon jogging, et après, ou je fais mon dessin de sable, mon entraînement de dessin de sable. Si je suis trop d'énergie, il faut que j'aille faire un jogging avant. Je vais m'épuiser un petit peu avant, là, puis après, c'est plus cool. Puis après, ben là, il y a le dîner, puis après, ben des fois, je fais une création de tableau. Donc, à ce moment-là, ben entre la préparation de mon dîner, que mes enfants viennent redîner à la maison, donc je vais commencer ma création d'œuvre, OK, après avoir travaillé mon dessin de sable. Alors, pour commencer mes fonds, je travaille sur des fonds couleur café. Ça, c'est ma première inspiration. Puis là, il y a des temps de séchage. Après ça, je travaille avec des fonds, je travaille avec la poudre de marbre. Donc là, je travaille ma poudre de marbre, je travaille mes matières. Ça aussi, puis il y a des rapidités d'application. Donc là, il y a des réactions aussi avec la matière, le café. Donc là, il y a des temps de séchage. Donc, je laisse reposer la toile. Puis là, en général, je la laisse reposer plusieurs semaines aussi parce que ça, c'est partie de mon inspiration. Je les vois, je les vis, je les revois tous les jours quand je passe à mon atelier. Je les installe, les coucher sur mes tables. Comme ça, je les choisis ensuite. C'est lequel qui me parle la plus, c'est des fonds qui ont été travaillés, qui ont eu des énergies à l'intérieur. Fait que donc, quand j'arrive pour travailler ensuite ma toile, ben elle a déjà un vécu. Après, ben là, j'essaie de faire vivre ce que je veux faire vivre dessus, avec ma pensée. Pour qu'il y ait une fluidité qui s'installe quand je me mets dans l'action à créer. Donc là, l'important, c'est de passer à l'action. On touche le monde avec tout ça, là, sur les sites web. Là, j'ai des commentaires à l'international de tout type de personnes. Ils ont un goût à ça. Donc, ça sensibilise les gens. Juste parce que le résultat que je fais. Donc là, je commence à trouver que c'est pas pire. Je commence à trouver que c'est intéressant.
Parce que j'avais pas ça avant, en étant en galerie, puis en n'ayant pas la communication directe avec les êtres qui achetaient mes œuvres. Des fois, oui. Là. Des fois, on me demandait de faire un dédicace, fait que là, je rencontrais. Mais les galeries, en général, ils veulent pas que tu rencontres ton client. Ouais, mais si le client le demande, ils vont le faire. La main, c'est le conducteur de notre cœur. Et on ne peut pas, OK, quand on fait une œuvre, être détaché de nos émotions. Qu'on le veuille ou non, mais il y a des personnes qui sont moins expressives. Il y en a qui sont un peu moins excentriques, qui ressortent pas ça, ou qui le font d'une autre façon. Il y a différentes façons de le faire. Fait que dans le fond, calculer plus ou moins est-ce que tu as réussi à le faire ou pas, OK, ça dépend de ton tempérament, ça dépend de ton caractère, ça dépend de ton vécu, ça dépend de tout ce que toi, comment tu le vois, comment tu es. Si tu as décidé de juste mettre le positif le plus pur de toi-même dans ta toile, est-ce que tu as décidé parce que c'est une façon pour toi de t'épurer puis que l'autre personne a aussi besoin de s'épurer, c'est parfait. Moi, j'arrête de voir ça quand moi, j'ai fini ma toile. Puis quand je rentre dans mon atelier, comment je me sens? Si je me sens bien, je rentre dans mon atelier. Si je me sens pas bien, moi, personnellement, je rentre pas dans mon atelier. C'est pas un goût que j'ai. Il faut que je sois bonne, il faut que je sois pure, il faut que je sois épurée. Parce que je l'ai déjà faite, OK? J'ai déjà fait des tableaux quand j'étais toute petite parce que j'étais en colère ou que je me faisais pas comprendre par mes parents ou parce que j'avais vécu quelque chose de plate, OK? Puis après, quand je voyais la toile, puisque moi, je la vendais pas encore, je la voyais, puis à chaque fois, je revivais ça. Mais j'ai dit, comment on fait pour s'en détacher? On ne fait pas. Moi, tout ce que je veux, c'est diffuser l'amour. Non. Fait donc, c'est clair, mon choix est clair. Je rentre dans mon atelier quand je suis plein d'amour. En tant qu'artiste, là, quand je regarde mes tableaux, parce qu'écoute, il y a un petit peu de tout chez moi, c'est mon départ, OK, mes premières œuvres, dont je vois tous mes trucs que j'ai fait depuis le début, OK, qui finalement sont un peu comme aujourd'hui, mais sauf que c'est un petit peu... Il y avait une certaine maturité aussi, mais je pense vraiment que c'est en lien avec ce qu'on vit, OK. Donc, même si j'étais jeune, j'ai l'impression que j'avais une genre de maturité par rapport à ce que j'avais vécu. Qui se transcendait dans mon coup de pinceau, okay, sans que je le sache. Puis par la suite, là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les gens qui aiment ou qui n'aiment pas de plus en plus parce que tu fais une production. T'as des gens qui viennent chez toi, qui regardent tes tableaux. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Des fois, là, c'est les gens, ils viennent ici, là, puis ils ne savent même pas que c'est mes premières toiles. Ils me disent « Oh, wow, c'est beau, ça! » Ben ça, c'est moi quand j'étais genre à 17 ans. Donc, c'est encore moi aujourd'hui. C'est juste que j'expérimente d'autres facettes de mon moi, puis un peu, peut-être un peu plus expérimenté. Puis mon travail, à quelque part, il y a une épuration qui se fait, mais il y en avait une dès le départ aussi, à quelque part. Il y a comme une continuité. J'ai pas commencé à 20 ans. J'ai continué tout le temps. Je ne mets pas couleur aussi dans mes tableaux. C'est assez épuré. C'est le café, c'est le rouge et c'est le blanc en général, de plus en plus. Donc, c'est parce que là, je suis vraiment touchée par le pop art. Fait que là, c'est ça. C'est ma dernière inspiration, on va dire, ou ma récente, pour être positive, inspiration. Le bas m'a branché, puis ça va toujours être. D'ailleurs, c'est ça qui a fait naître les nouveaux plus tôt. Mais puis certains artistes, comme Michel-Ange, qui se trouve être mon maître à penser, qui m'a fait partir mes nus, okay, on va dire, mais qui transparaît dans chaque chose que je fais par la suite, par les craquelures. J'ai été chercher ça, j'ai été vraiment chercher ce que Michel-Ange, moi, ça a été mon maître à penser. J'ai toujours trouvé ça incroyable, ce qu'il a fait. Mais ce que je trouvais le plus incroyable, c'était pas juste ses dessins, parce qu'au-delà du dessin, il y avait les craques que lui-même avait pas faites. Je me dis, comment moi je fais pour faire vivre ça tout le temps après? Puis c'est ça ma recherche.
c'est les craquelures. Puis c'est ça ma marque, c'est ça le bluto en général. J'ai même un tableau qui c'est juste les craquelures, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est l'essence pure de mon travail. C'est la recherche de mes 35 dernières années. Quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup faire des carrés ou des flèches. Ça a commencé d'ailleurs par des flèches, ce nouveau bluto-là, mon Bauhaus, je l'appelle mon nouveau bluto. Après minuit, j'ai fait mes toiles abstraites, qui sont des carrés ou des formes plus géométriques. Et j'avais introduit des flèches parce que constamment, sur une feuille blanche, j'écrivais quelque chose puis je faisais une flèche. Puis donc, des formes carrées. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme voulu épurer toute forme figurative à quelque part, tomber comme dans quelque chose, mais plutôt dans une organisation, dans un... travailler la matière directe, enlever le côté figuratif, parce qu'on laisse tomber les choses comme importantes de base, okay? La matière, les textures, la transparence, ce qui fait qu'on trouve une œuvre incroyable, puis qu'on ne sait pas, mais que c'est quand même là le figuratif qui vient comme camoufler le tout. Puis quand je me suis mis à faire des carrés, à épurer mon travail, à le rendre d'une façon plus matière, OK? Ou est-ce que ça fait sortir l'essence puis la transparence de toutes les émotions qui peuvent se passer dans le pinceau et toi, mais sans avoir un dessin quelconque figuratif. Figuratif, je répète encore, c'est quelque chose qu'on reconnaît, OK? Là, on reconnaît la forme, mais c'est une forme abstraite. Mais le but, c'est de ne pas prendre de règles. C'est le but, c'est pas de faire quelque chose de vraiment géométrique, mais c'est quelque chose de ressenti encore, OK? Mais dans la fluidité puis dans le geste. Donc, c'est toujours dans cette énergie-là, dans cette façon de penser-là, que je fais mes fameux carrés, mais que je viens chercher la matière, la transparence, puis tous les rapports avant, arrière. Donc, il y a quelque chose de subtil que des fois, on ne sait pas pourquoi, mais ça vient nous chercher. Okay? Des contrastes. Donc, c'est vraiment au niveau du langage artistique, du langage plastique, plus encore que le figuratif. Ça va, je viens de dépasser, je pense. Et je voulais atteindre même ceux qui n'aiment pas l'abstrait. Je pense que c'est pas leur choix. C'est pas le choix qu'ils vont. C'est déjà arrivé. Un client arrive avec sa femme. Sa femme, elle, c'est que les nouveaux bluto. Elle le sent. C'est ce qu'il vient à chercher. Il est même plus là, c'est Marilyn Monroe. Il est encore pas prêt à se décoller du figuratif. Puis finalement, il a opté pour sa première œuvre, un nouveau. Puis il dit sa toile à chaque fois qu'il passe à tous les jours devant, que ça le fait vibrer de plus en plus, puis qu'il a appris à aimer cette facette-là, puis qu'il vient chercher ce qu'il n'avait pas compris avant. Puis les gens voient des choses à l'intérieur, mais c'est comme je dis, peu importe que ce soit figuratif ou que ça ne soit pas, ben les gens voient ce qu'ils veulent en voir. C'est un peu comme les dessins de sable. J'ai l'expérience de plus en plus parce que j'ai contact avec des fois la foule. Puis les gens, je les laisse parler, je leur dis rien. Puis ils vont me dire, mais c'était donc ben beau. Un exemple, le soldat, okay, qui est allé à la guerre, c'est parce que j'avais pas fait ça, mais c'est correct. J'avais fait un petit garçon qui avait grandi, qui avait une tuque sur la tête ou une calotte, puis la personne a vu la guerre parce qu'elle l'a vécu en Europe, cette guerre-là. Dans sa tête, elle a vu le soldat. Et c'était parfait, j'ai adoré ça. C'est pour ça que c'est important de se fermer la bouche, de les entendre. Parce que là, tu deviens le récepteur, mais aussi, tu comprends comment les autres, ils le comprennent. Puis c'est encore plus beau, parce que c'est là l'infini de la création. Ça n'arrête pas où est-ce que toi, tu la commences, ça finit pas. Ça continue. Le dessin de sable, ça a commencé en Europe en 2005.
Puis donc, c'est des dessins animés, okay, sur une table en verre lumineuse, qui une personne dessine un dessin et c'est pour un écran géant, okay, pour que toute salle puisse voir, okay, en partant. Mais le dessin se fait devant les gens, okay, à l'intérieur. Donc, il y a des transitions, il y a des images, puis il y a des thèmes. Toutes sortes de thèmes, mettons une dizaine de thèmes, dans lesquels les images s'enchaînent. Une image en amène une autre. Donc, on n'efface pas. Ça continue. Et ça bouge. Et la main dirige les gens. Où est-ce qu'on regarde? On est rendu là. Puis là, qu'est-ce que ça va être? Donc, l'image se voit là. C'est un geste très précis qu'on doit être apte à faire. Puis donc, aussi avec la nervosité puis tout le stress qu'il peut y avoir quand on est devant une foule, quand même être conscient que l'idée reste dans notre tête, puis les idées doivent s'enchaîner, et les gestes aussi, parce que tout ce qui s'enlève sur la table de sable va à quelque part, et tout ce qui arrive va aussi à quelque part. Donc, le sable en plus, le sable en moins, c'est pas comme un crayon où est-ce qu'on dessine totalement différent. Au début, quand j'ai commencé à travailler avec le sable, ben je dessinais mes croquis en crayon de plomb. C'était vraiment pas la même chose. Ça donnait rien que je le fasse. Il fallait que je le fasse direct sur ma table parce qu'il y a du médium, il y a une matière qui se dépose puis qui s'enlève puis qui s'ajoute. Puis qu'est-ce que j'enlève? Il va quelque part. Alors, le côté éphémère des œuvres, qui est d'abord le tableau de sang. C'est la première chose qu'on dit. Oh, mais c'est triste, à chaque fois, tu l'effaces puis c'est fini. Moi, je prends une photo de chacun des que je crée en dessin de sable. Donc, ça, c'est la chance qu'on a parce que je prends un arrêt, mais c'est pas la même chose que le voir le spectacle en direct. La performance en soi, c'est le côté époustouflant, okay? Parce que c'est à couper le souffle, juste parce que ça prend de la discipline en arrière de ça. C'est ça qui. Puis c'est pas donné, même moi, je l'avais peut-être pas tant que ça avant. Peut-être que oui, là. Mais, fait donc, le côté éphémère d'une œuvre de sable, c'est ça qui est un peu incroyable, là, mais oui, c'est ça, ça se vit, mais on peut les arrêter. Mais je dirais que c'est encore plus loin que ça, parce que le côté éphémère, c'est plus loin, parce que les œuvres qu'on fait aussi sont éphémères, mais c'est relatif au moment, à la personne qui parle, parce que Michel-Ange, ses œuvres ont été restaurées, sinon il n'y en aurait plus. C'est la même chose pour une bande dessinée ou un comique de Cendrillon qui ont toutes restauré les couleurs, même en vidéo ou en n'importe quel domaine. Et c'est même mon champ en tant qu'être humain. Mais moi, je préfère pas me rester. Je vais me garder comme je vis. Je vais essayer de m'apprécier comme je suis le restant de ma vie. En vivant le meilleur du temps que j'ai à vivre tel quel. Le dessin de sable, ma nouveauté, OK? Mais ma nouveauté qui, je pense, va durer pour une éternité aussi, en ce sens que, comme la petite graine qu'on ajoute à quelque chose qui finit, qui peaufine. Parce que ça, c'est quelque chose, pour moi, qui semble être ordinaire. Quand je le fais, je me dis, ça semble tellement ordinaire, mais en même temps, c'est comme... Mais il y a beaucoup de travail en dessous de ça aussi, qui fait que dans le 10 minutes de performance... animé de sable, OK, devant peut-être 1000 personnes, ben moi, je sais que... mais les gens ne le savent pas tout le temps, mais il y a des heures de travail en arrière de ça. Mais il faut avoir le courage de le faire, ce travail-là, parce que c'est vraiment de la discipline. Ça prend vraiment une auto-régulation à tous les jours. Vraiment, ça a l'air facile quand on le fait la journée même. Ça dure à peu près 5 minutes, mais c'est des mois de travail. Ce grain de sable-là me mène très, très loin. Il me mène à travers le monde, OK? Donc là, je pars en tournée. Je fais de plus en plus des tournées un peu à travers le monde. Et les gens viennent me... Enfin, j'ai aussi ma signature. Les gens me disent que je dégage sur scène, que moi, je comprends pas tout à fait, mais ça, c'est la facture de mon travail, de tout mon passé, de toute ma recherche de moi-même. Peut-être qu'il fait ça. Ce que je dégage,
Bon, on dit que je suis une fée, une déesse. C'est incroyable tout ce qu'on peut me dire. Ça en est magique. C'est de la magie. C'est ce que je peux offrir aux gens. Je le conçois même pas. Je me dis, je suis juste moi. Ça fait tellement drôle. Quand je sors de scène, les gens me prennent. C'est toujours standing ovation. C'est toujours debout. C'est à ouf, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail, puis moi, il y a beaucoup d'amour quand je le fais. Puis c'est la façon que je dépose le sable, c'est la façon que mes mains bougent, et ma façon d'être, tout ensemble. Ils disent que c'est pas juste le dessin qui fait ça, c'est l'ensemble. Les madames qui me font ça, ils me prennent dans leurs bras, ils me disent, je suis tellement fière de ça, fait tellement spécial. Sur ça, je suis sortie de scène, puis c'était comme, OK, ça me donne des frissons. D'être avant-gardiste dans mes idées, dans mes démarches artistiques, probablement que c'est un must pour moi dans ma réussite, parce qu'on se démarque par des petites choses très simples. Puis toujours dans l'humilité, ça c'est bien important. Puis la beauté du dessin de sable, je pense aussi, c'est que je parle pas. Fait, tout se fait dans l'image et dans l'action, sans mots. Fait, quand j'ai pas à dire des choses qui peuvent déranger quelqu'un, c'est tellement simple et sain. Ça laisse place à ce que les gens interprètent l'image que j'ai faite aussi. Et ça, c'est la même chose pour les toiles, les œuvres. C'est toute la place est à celui qui l'aime. À partir de quand ça lui appartient. Fait que c'est un travail qui se joue à deux côtés. Même une création plus que ça encore. Une création qui se joue à partir de moi, puis à partir de celui qui... Il y a deux parties. C'est égal.